Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager et prochain Grand Prix. Drapeau du Portugal avec marqué Barcelone, je trouve ça très amusant. Alors, réparation de la voiture. Alors, on a des offres de sponsors. On va aller regarder ça. Nouvelle pièce. Je veux que vous construisiez de nouveaux freins pour prochaine course pour vous assurer que je puisse l'utiliser avant. Voilà, on va aller faire de nouvelles pièces. Allez. Donc, voiture. Concevoir de nouvelles pièces et des nouveaux freins. Avec une décélération à plus 20 et puis voilà. On avait dit sponsor, qu'est-ce qu'on a comme sponsor? On a Sapinda et Oris pour 6 courses. Oh, ils nous donnent 1 million tout de suite et eux ils nous donnent 250 000 par course pour 8 courses. Donc au cumulé ça va nous donner 1,6 million. Ouais, c'est plus intéressant de prendre Sapinda. Ils sont mis où d'ailleurs? Ah oui. Ok. Alors réparation des voitures, très bien. Pour l'instant, au niveau de l'amélioration, on peut pas faire grand-chose. On attend des nouvelles pièces. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Un nouveau vote. Si c'est bénéfique pour nous, allez, on y va. Alors, pour, un partout, abstention, pour, contre, et merde, abstention, vote rejeté, pour une voix, saleté. Bon, bah tant pis. On gagne pas tous les coups. Hein. Conception terminée, les freins. Allez, on les monte sur la voiture de Fonseca. Hop là. Nouveau frein. Et du coup, est-ce qu'on pourrait se faire des nouveaux freins aussi Ça coûte 1,1 million quand même. Si on met qu'un seul élément. Putain, ça nous met à mal en plus. Si ça se trouve, on va se prendre une pénalité. Non, je veux pas lui faire. On va bosser sur la fiabilité là-dessus.
Alors, on va arriver aux États-Unis. Putain, je peux rien faire. Là, c'est moins risqué. Alors, les freins. Allez, on arrive à tourner là. Ça dit quoi au niveau de la fiabilité là? 86%. Bon. Allez, on va essayer de faire mieux que la dernière fois, les deux derniers Grands Prix, hein, parce que ça n'était pas été glorieux. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Et Grand Prix du Portugal. C'est parti pour les essais libres. Alors, et on va. Oula. Pareil. Allez, on participe aux essais, bien sûr. Allez-y, un full attaque, les gars. Ils ont abusé vachement les pneus.
est plutôt satisfaite de ces réglages. Donc tant mieux. Alors lui par contre c'est un peu moins bon. Allez en piste, messieurs. Je prends note des problèmes de réglage qu'ils ont tous les deux, hein. Je les ferai juste avant la course. C'est pas ça au niveau de El Sadar, mais il y a encore du boulot. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Évidemment, ce qu'elle va nous ramener comme information, Nice. Donc on est parti pour la course. Pas de pluie prévue. Réglage voiture.
Voilà, c'est comme ça. Se mettre en mode agressif au départ. Hein. Allez, on y va. Là, on part 11e et 7e. Et c'est parti. Alors le départ est donné, les deux pilotes s'en sortent pas trop mal pour l'instant. Un peu plus chargé que les autres en essence, hein, mais bon. C'est toi qui a fait un joli dépassement. Hein. Il a monté pas mal de place. Il faudrait pas qu'on se laisse abattre. C'est quelqu'un en train de revenir sur Santa Ana. On sait que Santa Ana avait des problèmes de fiabilité au dernier Grand Prix. Il perd pas mal de place et du coup il est en train de reprendre l'avantage. Et ça date qui crie dans les. Dans les. À la radio et il a eu un accrochage avec un des pilotes malheureusement. Il reste 12 tours hein. J'ai peur que si on met carburant on va être vraiment très juste, mais en plus il faut réparer la pièce, on va ressortir très très loin. Et du coup pour El Sadat à mon avis ça me semble compliqué. Alors, retour au fond de ces cas. 11e, toujours en train de se bastonner avec les pilotes qui sont devant.
Autre salle, haute ambiance, comme on dit. De haut ici qui nous a coûté une voiture de gomme. Elle ça doit être qui est dans les stands, qui est en train de réparer sa monoplace, le pauvre. Et ça repart. Que Fonseca est en train de lutter avec les monoplaces qui sont devant. Je pense qu'on va la faire rentrer au stand pour mettre des médiums et puis on va essayer de la faire aller jusqu'au bout. Et c'est parti pour un ravitaillement et un changement de gomme. Ah oui, qui s'est pas trop mal passé. Donc, sachant qu'il y a du monde qui va s'arrêter devant. Ce que ça va donner. Sinon, je pense que c'était la meilleure chose à faire hein, dans la mesure où les pneus commençaient vraiment à être cuits. Là, on a fait un tiers de la course. Le pilote s'arrête au stand. Ah, c'est même cool dans les stands. Hein. Il y a du monde. Est-ce qu'on va gagner quelques places? Il y a moyen. La Fonseca qui remonte à la 10e place. Se batailler pour la 10e place. Méfiance des. C'est Nick Chou en plus qui est 10e. Méfiance des problèmes de fiabilité, hein, ça peut aussi jouer notre faveur. Alors on a encore quelques pilotes qui vont devoir s'arrêter au stand, notamment Cavalcanti, Gérard et Navarro. Alors, Cavalcanti et Gérard qui sont loin devant. Navarro un peu moins. Ça va laisser champ libre à Sabado. Stand. On est un peu loin quand même pour pouvoir penser à prendre une place sur ces pilotes là.
en fond de sac qui s'inquiète pour l'usure des pneus. Mais bon, il n'y a pas vraiment grand chose à s'inquiéter, à mon avis, ça suffira pour aller jusqu'au bout. Ce qui est surtout inquiétant, c'est que au niveau de la stratégie, au niveau de la position par rapport au sponsor, on n'est pas du tout. Et ça commence à faire beaucoup de grands prix comme ça. On est en train de perdre des places. C'est assez inquiétant. Hein. Qui est dans le stand. Bizarre qu'il soit rentré encore une fois maintenant. Avait-il un problème mécanique sur sa monoplace? En tout cas, on va pas s'en plaindre. Et ça date qu'il reprend une place. Et qui va devoir rentrer de nouveau au stand pour aller changer de gomme. Et on rentre dans les 6 derniers tours. Peut-être une place de gagner encore pour Ivanet. Voilà le pilote Cooper qui est dans les stands. La Fonseca qui va finir avec des pneus, je pense, dans un état assez complexe. Vraiment, il va falloir qu'elle fasse gaffe. Allez, Mustapha Al-Sadat qui est dans les stands. Qui change de gomme et qui ressort. Bon dernier, mais avec des pneus neufs. Et Fonseca qui va devoir gérer ses gommes tranquillou. Donc il faudra y aller mollo. Une place de gagner pour Fonseca, il faut que ses pneus tiennent jusqu'au bout, donc on la met en conservation. Hein. Parce que ça serait dommage, il reste 4 tours. Et derrière Fonseca, c'est Arbeloa qui est aussi en délicatesse avec ses gommes, on dirait, qui n'a pas l'air d'être vraiment attaqué. Et il reste maintenant 4 tours de course. Al-Sadat qui vient de prendre un tour au leader. Donc il vient de se faire prendre un tour, pardon. Alors au stand, ça a l'air de s'arrêter encore. Ça va devenir critique hein, pour Fonseca. Espérons que ces pneus tiennent les 3 derniers tours qui restent. Sachant qu'il reste 22% de dur de performance de pneus. Ouais, je pense qu'il serait plus prudent de la faire rentrer pour mettre un train de pneus soft.
c'est leur faire faire un arrêt rapide. Allez, on arrête flash éclair, s'il vous plaît. Ouais, ça s'est bien passé, merci. Elle ressort vite des stands. Voilà, parfait. Après, les autres sont un peu loin maintenant, mais... Bon, ça s'annonce pour la 12e place, hein, j'ai l'impression, pour Fonseca, moins d'une avarie mécanique, mais sans trop forcer, je pense qu'on va arriver à faire la 12e place. On rentre dans le dernier tour maintenant. À moins qu'on revienne sur le pilote à la 11e place, Cooper, mais ça m'étonnerait. Il faut vraiment qu'il fasse du sur place pour ça. Ah, Sadat qui a fait une course difficile, hein. Il a eu un accident en début de course, ce qui l'a conduit à devoir entrer très tôt en course pour aller changer d'aileron. Et du coup, ça lui a coûté cette course. Hein. Fonseca qui rentre dans son dernier tour. C'est dommage, hein, parce qu'on a une belle procession de voitures, hein, devant, entre la 10e et la 6e place. Ça aurait pu être sympa, mais voilà, il fallait rentrer au stand, de toute façon on aurait pas pu finir. Et dernier virage, dernière réaccélération. Et on va aller couper la ligne de départ arrivée avec une 12e place pour Fonseca et une 19e place pour El Sadat. Bon, une fois de plus, on n'est pas dans les objectifs des sponsors, hein, mais c'est un peu compliqué, hein, quand on a un budget comme le nôtre, où on peut créer de nouvelles pièces pour les grands prix. Du coup, on est obligé un petit peu de jouer un petit peu avec les pièces d'origine, les améliorer au maximum, améliorer la fiabilité, et du coup ça devient un petit peu complexe. Et donc à l'issue du Grand Prix, Yvonne Fonseca qui descend à la 12e place au classement du championnat du monde des pilotes, Mustapha Al-Sadat à la 16e place. Notre écurie qui est toujours 7e pour l'instant.
Et donc voilà ce week-end portugais qui se termine. On va voir au niveau du budget, mais j'ai peur qu'on soit encore un peu en déficit. Ah non, on a pris un petit peu des sous. Bon, ben voilà. Donc voilà ce Grand Prix qui se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait... c'est très important pour nous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures, notamment dimanche soir, peut-être normalement pour un live en multi avec les abonnés, avec Jeff et Despiello. Si c'est pas le cas, je ferai un live sur autre chose. En attendant, je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an. Et je vous dis à l'année prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.